Привет et d'abro pajalavat sur la chaîne Will Mastro Reaction. On se retrouve aujourd'hui pour une réaction à Monsieur Yaroslav Soumichevski. Voilà. C'est un homme du peuple. Franchement, j'aime beaucoup cet homme. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas plus, n'hésitez pas, je vais vous mettre une petite fiche ici avec sa chaîne YouTube qui sera aussi remise dans le premier lien de la description. Ça sera aussi sa chaîne YouTube. Mais attention, le deuxième lien, ça sera le lien de la vidéo sur laquelle je vais réagir qui s'appelle Neboisa Yastaboy. Donc n'hésitez pas à y aller si jamais c'est bloqué parce que effectivement, je vais un petit peu moins réagir sur certains artistes parce que j'ai fait une statistique sur les artistes. S'il y a plus de la moitié de leurs titres qui sont non éligibles, je vais moins y réagir. Je réagirai que quand ils sortiront une nouveauté parce que ce n'est pas rentable pour la chaîne, parce qu'il faut aussi penser rentabilité. Je vous propose des choses qui vous plaisent aussi, mais à un moment ou à un autre, il faut que la chaîne aussi puisse tourner dans tous les sens du terme. Voilà, donc sinon, si vous voulez savoir ce qu'il y a dans le troisième lien, bah, c'est quoi ? C'est la playlist des titres de Yaroslav sur la chaîne, donc n'hésitez pas à y aller parce que ce lien sera remis aussi quand la vidéo sera mise en ligne, le premier message épinglé, ça sera sa chaîne, ça sera sa playlist, donc n'hésitez pas à y aller. Mais c'est vrai que ça m'embête un tout petit peu, ce qui m'a fait réfléchir sur ça, c'est l'autre Yaroslav Dronov, plus connu sous le nom de Shaman, où j'ai quand même pris... deux avertissements, pas consécutifs, mais la dernière fois j'avais pris un avertissement, au bout de trois la chaîne était fermée, là je reprends un avertissement pour des vidéos qui ont été traitées avant, comme je vous l'ai déjà dit, Shaman je vais l'écouter personnellement, mais je ne réagirai plus dessus, parce que je veux pas prendre des risques pour ma chaîne pour qu'elle soit fermée. Voilà, donc on est parti, après ces explications, on va partir avec monsieur Yaroslav Soumichevski, et on est parti. Non, c'est pas le bon truc. Ouais, si, c'est bon. C'est bon, c'est bon. J'étais bon. Allez, on se retrouve. À tout de suite. Ну что, есть новости? Пока ничего. Но все будет хорошо. Война не ждет бессмысленные споры. Ее не замечают, если ты не в ней. И тот, кто мимо нот, того поймут не скоро. Но лучше петь по нотам совести своей. Прижмись ко мне, душа моя, пока наедине. Ты так ранима без меня. Не думай о войне, прижмись, как раньше, перед сном, коснись меня щекой, укроет ангел нас крылом, не бойся, я с тобой. Война не ждет, она не знает боли. Спросите у солдата, что из дома в бой. Молюсь я и прошу у Господа покоя для тех, кто на земле, и тем, кто над землей. Прижмись ко мне, душа моя, пока наедине. Ты так ранима без меня. Думай о войне, прижмись, как раньше, перед сном, коснись меня
щекой укроет ангел нас крылом. Не бойся, я с тобой. Ко мне, душа моя, пока наедине. Ты так ранима без меня, не думай о войне. Прижмись, как раньше, перед сном. Коснись меня щекой, укроет ангел нас крылом. Не бойся, я с тобой. Укроет ангел нас крылом. Не бойся, я с тобой. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé. Franchement, j'ai adoré ce titre parce que c'est énormément ce que vivent des familles de militaires. Et effectivement, c'est le cul entre deux chaises, on va dire, parce que la personne va partir pour un conflit. Est-ce qu'elle va revenir? Est-ce qu'elle va revenir? Ça, c'est un autre truc. Et là, bon, heureusement, ça se finit bien dans ce clip. Heureusement, mais ça finit pas toujours comme ça. Malheureusement, à cause de tous ces conflits qui pourrissent la vie de la planète entière. Enfin, on va pas débattre là-dessus. L'être humain est vraiment fait pour. Enfin, bref, on peut pas s'aimer juste et accepter nos différences. Ça, non, c'est trop compliqué pour l'être humain. Mais bon, bref, j'ai beaucoup apprécié Yaroslav Soumichevski avec sa voix toujours incroyable. Et là, il l'a mis tout pour la chanson, comme d'habitude. Hein. L'artiste doit mettre en valeur sa chanson, et là, il le fait amplement bien. Et franchement, j'ai grandement apprécié. Donc, j'espère que vous aussi, vous avez apprécié cette nouveauté de Yaroslav. Allez, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous voulez aider la chaîne, n'hésitez pas, dans la description, il y a les différents liens. Le PayPal, le Patreon, le Buy Me a Coffee, le Donation Alert. N'hésitez pas, si vous voulez participer à la chaîne, il y a ces liens dans la description. Si vous voulez communiquer avec la communauté, on est plus de 53 toujours, donc n'hésitez pas à venir, hein, de communiquer, de partager les choses, et sinon, il y a mon Instagram aussi. Donc, on se retrouve demain pour les deux prochaines vidéos. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, prenez soin de vos proches, prenez soin de tous ceux que vous pouvez aimer. On se retrouve demain. Merci aux plus de 39 000 personnes qui me suivent. Je vous aime vraiment très fort et à demain. Прижмись ко мне, душа моя, пока наедине. Ты так ранима без меня, не думай о войне. Прижмись, как раньше, перед сном, коснись меня.